Salut voyants et les élèves et bienvenue pour notre tourne tuto numéro 9. Aujourd'hui, nous allons découvrir un travail d'indépendance ou comment découper d'un côté le temps en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et avec une autre partie de notre corps, le découper en 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Sans l'écraser, sans faire un seul champ, mais en travaillant indépendamment chacun des merveilleux domaines, des merveilleux mondes, le monde du 3 ou le monde du 2. Ting, ting, ting. Alors, la solution pour ça, c'est de respirer. On va faire attention à notre respiration, encore une fois. Respiration du sommeil, respiration de qualité. On prend conscience de sa respiration. L'air qui rentre est plus frais que celui qui sort, par exemple. Votre respiration doit mettre en jeu votre ventre, votre les côtés, le dos, et surtout pas se coincer en haut là, à ce que j'appelle la respiration de la peur. Respiration de la peur, ici, d'accord? Donc on prend une base, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on respire. Imaginez comme un coussin qu'on compresse, que ça se dilate, ventre, côté et dos. Je fais des cycles plus ou moins longs, librement, comme j'en ai envie. Mais je rentre dans le monde du 3. Une fois que j'ai fait ça, je vais doubler mon champ. C'est-à-dire, je vais aller sur une deuxième dimension. On a vu ça sur les tutos précédents. Si ce n'est pas le cas, allez, offrez-vous une petite révisionnade. Ça ne vous fera pas de mal. Donc, du coup, en doublant mon débit, ça va faire ta 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 ta. Et pareil, je vais respirer dans ce nouveau débit-là. Ensuite, donc, il suffit de rajouter sur ce débit-là ta, 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 un compte, toujours trois temps. Vous avez compté jusqu'à trois. OK ? Donc, on va compter trois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et progressivement, on va enlever les 2, 3, on va en conserver que le 1. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Voilà donc un 3 pour 2. Clairement identifié, toujours avec ma respiration qui va jongler entre le 3 et le 2. Donc il ne s'agit pas juste de poser 2 et 3, il s'agit vraiment de rentrer dans chacun de ces mondes-là. Quand je vais aller sur le 3, par exemple, je vais penser 1, 2, 3, tantin, 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 tatiti, 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 tagadagadagadagadagada, ta. Et pareil pour le 2. 2. Un tam 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 tim tam 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 ti ta ta ti ta ta ti ta ta ti. Tim, tim, tam, tim, tam, tam, 2, 3, 4. Oh tiens, j'ai un 4 pour 3 là. 1, 2, 3, 4, tam, 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 tam. Ça, c'est le sujet de notre tirelu tuto. Restons concentrés sur le 3 pour 2. 1, 2, 3, 1, 2. Et je respire. Si je m'amuse maintenant à mélanger les deux, 3 ici, 2 là, ça peut me faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et puis je change, tan, 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 2, 3, et oui. Sinon, vous allez créer des blocages. Tout ce que j'ai fait à droite, je dois le faire à gauche. Je change les mains en permanence. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. OK. Pa, 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 pa
Buen trabajo, a bientôt, portez-vous bien.